Audio Jungle. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un énorme. Oh, je bug, je crois. Énorme nid de frelons asiatiques. Voilà, à hauteur d'homme, à peu près 1 mètre du sol, dans un petit abri, pas très haut. Donc il va falloir que je rampe pour y aller. Et je vais vous montrer ça, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Donc on est le 30 août 2020, un dimanche, et on va aller faire ce petit nid. Et à mon avis, il va y avoir une belle attaque. Allez, je vous montre ça. Vous voyez le petit abri juste là. On va faire doucement parce que là. Je vous dis qu'il y a du monde. Il y a du monde et il y en a un qui est même venu me voir. Parce que je pense que sur la caméra, il doit y avoir encore du phéromone du venin d'autres interventions. Donc il fallait que je fasse gaffe parce que j'ai pas la tenue. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer et on va aller au petit combat. Allez, à de suite les Dédés. Allez, on est prêt pour le combat. Allez, on va aller voir ça depuis près en toute sécurité. Bon, il est énorme. Mais je trouve que cette année, je sais pas vous les collègues, mais un coup on trouve des petits nids, un coup on trouve des gros nids, des énormes, des moyens. Et c'est bizarre, normalement on devrait trouver un peu les mêmes tailles à peu près, mais là non. Cette année, c'est la folie. On dit qu'il y en a qui sont sortis de l'hibernation très tard et il y en a très tôt. Donc on va voir ça. Allez, on va essayer de dégager. Allez, on va dégager un peu les trucs pour pouvoir ramper dessous. Ah ouais, il est beau. Il est beau. Je crois que même, je vais enlever le pulvé, sinon il va me gêner. Allez, on va aller regarder ça vraiment de plus près. Ah ouais. Je vous avoue, il est beau. Déjà, ça tourne autour de moi. Regardez-moi ça. Si on compare avec la main, Là déjà il y a des attaques. Voilà. Bon allez, on va mettre le produit. On va poser la caméra là. Attends, on va séparer la poudre. Alors je mets des petits bouts un peu partout, mais jamais pas une grosse quantité. Voilà, on est bien là. On est bien plutôt. On va faire attention à la visière quand même, à la grille, qui ne peut pas à travers. Voilà, donc là il faut laisser agir. Moi je suis bien là. Et vous les Dédés, vous êtes bien? Moi c'est pas mal. Il y a du monde. Hein. Ah, c'est un nid qui peut contenir d'aller 10 000 frelons à mon avis.
Je vous dis pas tous les coups que je reçois. On va essayer d'ouvrir un peu. Alors beaucoup d'épaisseur. Allez, je vous montre ça. On est sur 1, 2, 3, 4, allez, 4 ou 5 galettes. On voit que l'isolation est épaisse. Hein. Ah mais avant que je sorte de là hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis bien en fait. Je suis bien. Je suis assis là, tranquille, à l'abri. S'il pleut c'est nickel. Voilà, entouré de frelons. Bon. On va aller au combat suivant. Au prochain chantier. On va laisser agir. Bien sûr le client, ben, il ne faut pas qu'il s'approche là jusqu'à ce soir hein. Là, il va être vachement énervé. Ah, j'ai le corona, je crois. Bon, allez, je vais plier le matériel et je vous reprends tout à l'heure. Allez, je suis sorti. Je vais remettre ça. Voilà. Bon, là, je vais m'éloigner. Je vais retourner à la voiture parce que les frelons vont quand même me suivre. Comme d'habitude. Donc j'ai récupéré la caméra. La voiture n'est pas très loin, donc on va faire le tour tranquillement, le temps que les frelons s'éloignent. Allez, échappez-vous, partez, allez retourner dans votre nid là. Parce que je voudrais enlever tout ça en toute sécurité. Bon, qu'est-ce que vous en pensez les dédés? Dites-moi-le dans les commentaires. Il est vachement abusé ce nid, il est très beau. Bon, ça fait du bien d'avoir des nids comme ça, franchement, moi j'adore. Bon, il y en a un là qui, hop, qui veut pas lâcher. Ah là, je t'ai attrapé, non? Eh non, loupé. Allez, je vais me l'éloigner. À mon avis, la caméra doit être pleine de venin. Ah, regardez celui-là. Regardez, il essaie de piquer à travers le vent. Bisous. Il revient. Allez, faire très attention quand on enlève la combi là, parce que là, quand on a une grosse attaque comme ça, ils peuvent vous suivre de très loin. Allez, j'arrive à la voiture. Je vais poser la caméra là et vérifier si j'ai rien. Je vais enlever ça. Il commence à faire chaud. Hein. Bon voilà les dédés, la vidéo est presque terminée, elle est même terminée, l'intervention est terminée, il faut laisser agir. J'espère que ça vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu parce que la vidéo elle vaut le coup. Et moi je vous dis à très bientôt les dédés. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Yeah.